Juno. Oui. Allez, élimine-la. Je ne peux pas. Fais-le. Tu as été créé pour m'obéir. Oui, c'est bien ce que je craignais. Mais qu'est-ce qui m'arrive au juste ? Le processus de clonage accéléré est encore imparfait. Ceux qui t'ont précédé ont perdu la raison en quelques mois. Je pensais avoir réussi avec toi, mais j'ai peur que tu ne subisses le même sort. Qu'allez-vous faire de moi ? Évasion en cours. Il est temps de partir. Il est temps. Ils ont trouvé la paix. Il est parti. Ne partez pas. Ah.
sur la plage. Attention, ceci est urgent. Message à tous les citoyens. La loi martiale a été décrétée et un couvre-feu instauré. Veuillez regagner vos demeures et fermer vos portes. Gâteau n'aime pas ce changement. Thank you.
message à tous les citoyens. La loi martiale a été décrétée et un couvre-feu instauré. Veuillez regagner vos demeures et fermer vos portes. Je reconnais que je suis impressionné. Je me demande bien ce que tu voudrais, alors tu crois que tu peux débarquer dans ma ville sans prévenir et prendre ce que tu veux? La loi martiale a été décrétée et un couvre-feu instauré. Veuillez regagner vos demeures et fermer vos portes. Le cœur de toute cette ville ne bat que pour le sport. Le général Kota est un combattant très doué, mais je crois déceler en toi... Cette ville ne bat que pour le sport. Le général Kota est un combattant très doué, mais je crois déceler en toi un plus grand potentiel encore. Est-ce que tu réalises seulement ce que ça signifie? Tu pourrais étancher ta soif de femme, de vin et de sang. Tu es déterminé à employer la manière forte, pas vrai? Maintenant, je veux te voir courir.
J'ai toute la puissance de l'Empire à ma disposition. Rends-toi maintenant, ou tu mourras. Changez ! C'en est fini pour toi. Tu m'entends ? Arrêtez-le immédiatement. Il faut aussi l'empêcher d'atteindre la reine, compris ? Fais tes prières. Killer, dis-moi que tu n'as pas changé de canal. Je vous reçois. Excellent timing. Je ne sais pas combien de temps je vais tenir. Le temps presse, Général. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je n'en ai pas la moindre idée, mais c'est gros.
Vous êtes perspicace pour un vieil aveugle. Comment je peux le tuer? Pas sûr qu'on puisse le tuer. Le laisser filer. Comment je suis censé me débarrasser de ce monstre? Tu peux essayer d'envoyer une décharge électrique sur les entraves à tes poignets.
pourrons pas neutraliser cet énorme monstre. Il va falloir trouver autre chose. Ah oui, quoi? C'est une pile suspendue. Vois ce que tu peux faire avec ces piliers. Toute la structure va s'effondrer. Tu as une meilleure idée? Non. Je ne peux pas me libérer.
Les chefs de l'Alliance ne peuvent décemment pas approuver notre plan d'action. Notre puissance de feu ne nous permet pas de détruire une cible impériale stratégique. Et personne ne veut risquer sa vie dans une attaque éclair de petite envergure. Juno pousse tout le monde à réagir, à passer à l'action, quitte à ce que ces victoires soient purement symboliques. Elle sait que je suis avec vous ? Non. Je préfère qu'elle te voie en personne. Alors elle saura que tu es revenu. Alors vous refusez de croire que je suis un clone ? Je ne sais pas. Mais je commence à croire que ça n'a aucune importance. Un cylindre de codage. Les coordonnées de navigation et les plans du centre de clonage secret de... Camino. Tout ce dont l'Alliance a besoin pour réussir son assaut. Il nous est impossible de déclencher une attaque pareille sans ton aide. De la passerelle ! Attention ! La rotation est coupée dans plusieurs secteurs du vaisseau. Je savais que ça arriverait. On aurait dû la prévenir. Nous pouvons encore la sauver. Viens ! Qu'est-ce qui se passe ? Capitaine, envoyez une équipe dans la baie en garde numéro 7. Proxy ? Maître ! Je te croyais mort ! C'est une longue histoire. Le capitaine Eclipse et le sénateur Organa m'ont trouvé sur Corellia. Juno, où est Juno ? Je l'ignore. Les impériaux l'ont sûrement conduite vers le pont 7. La baie d'arrivage. Ordonnez l'attaque, général ! Maître ! Soyez prudent. Quelle est la situation, général ? Un chasseur de primes est en train d'emmener Juno à la baie hangar. Nous ne pouvons plus du tout communiquer avec cette partie du vaisseau. Apparemment, ce chasseur de primes est accompagné par des sortes de soldats d'élite impériaux. Mais qu'est-ce que c'est ? Ah ! Aidez-moi ! Sauf qui peut ! J'ai déjà vu ces droïdes. Vador les fait construire sur Camino. Prévenez vos hommes! Il y a encore des survivants ici! On a besoin d'aide à la bébé médicale! Ah! Ah, qu'est-ce que c'est? Ah! Ah! Juno !
y a quelque chose là-bas. Quelque chose de gros. Très bien, je vais par là. Qu'est-ce qui a bien pu faire ça? Kota, c'est réglé. Envoyez l'ordre d'attaque ou je serai obligé de partir sans vous. J'ai dit à l'Alliance que cette opportunité ne se représentera pas de sitôt. La flotte va faire route vers Kamino. Mais tu es conscient que Vador cherche à t'attirer dans un piège? Ça, je le sais. Mais il ne s'attendra pas à voir toute la flotte rebelle. Je suis bien de ton avis. J'espère ne pas me tromper. Passage en vitesse lumière! Désactivé, il est à toi. Il
n'est pas vulnérable. Entends? Est-ce que tu es là? Quelle est la situation, Général? Les impériaux nous attendaient, Starkiller. Si nous ne déployons pas nos Y-Wings, ce combat est perdu d'avance. Starkiller, le pont est encombré. Nos chasseurs ne peuvent pas décoller. Je vais m'en occuper, Général. Je verrouille la baie hangar. Détruis les vaisseaux qui nous avancent. Est encombré. Nos chasseurs ne peuvent pas décoller. Le hangar est dégagé. Je désactive le verrouillage. Maintenant, dirige-toi vers la passerelle.
impériaux repérés dans la salle du réacteur. Tu dois les éliminer avant qu'ils n'aient neutralisé le vaisseau. Vous atteindrez la salle du réacteur en passant par le noyau de transmission. Cherchez une écoutille de maintenance dans votre secteur. Verrouille la salle du réacteur pendant que tu fais le ménage. C'est le dernier. Il faut y aller maintenant. Ennemis détectés dans tous les secteurs. Blaster en batterie.
À toutes les stations, que les soldats se mettent en position. L'Empire va nous aborder. J'ai un mauvais pressentiment. Te voilà aussi pessimiste que Proxy. Les canons sont opérationnels. Et nous sommes toujours en vie. Je ne suis pas pessimiste, mais... Faites l'abordage dans la salle des canons, je m'en charge. Tiens-les à l'écart du canon principal. Je le vois, là. Oui. Assaut impérial imminent. Toutes les stations. Les impériaux nous abordent sur tous les ponts. Verrouillage de toutes les zones critiques. Ne répond plus. Sans lui, on n'a aucune chance. Vois ce que tu peux faire. Je ne suis pas dépanneur, général. Ce canon n'est pas opérationnel. Nous allons tous finir en débris spatiaux. Alors rends-toi sur place et vois ce que tu peux faire. Et je me moque de savoir s'il faut le manœuvrer à la main. Solitaire, maintenant reviens ici. Si la voie était libre, la planète serait facilement accessible. Fais quelque chose.
À tout l'équipage, le Délivrance ne répond plus. Abandonnez le vaisseau. J'ai un mauvais pressentiment! J'espère que ça en vaut la peine. Nous avons placé tous nos espoirs dans cet assaut. Elle en vaut la peine, Général. Il ne s'agit pas de toi et de Juno. Nous sommes en guerre. C'est votre guerre, Général. Je suis ici pour une seule raison. Les troupes rebelles sont dans la base. Les troupes rebelles sont dans la base. Verrouillez immédiatement tous les points d'accès. Force de sécurité. Général, je vais me rendre en ville et trouver Juno. Nous ne sommes pas loin de ta position. Nous serons bientôt là. Verrouillez immédiatement tous les points d'accès. Starkiller, nous sommes dans le centre de sécurité en face de toi. Quand nous serons débarrassés de ces impériaux, nous désactiverons les champs de force dans ton secteur. Immédiatement tous les points d'accès. Starkiller, nous sommes dans le centre de sécurité en face de toi. Quand nous serons débarrassés de ces impériaux, nous désactiverons les champs de force dans ton secteur. Thank you.
Killer. Je sais que tu tiens à trouver Juno, mais on a besoin de ton aide. Seul un Jedi peut renverser l'issue de cette guerre. Général, je suis là pour Juno. Ça suffit, tu vas te battre avec nous. Les Impériaux ont repris le contrôle des centres de sécurité. On peut s'attendre à essuyer de lourdes pertes. Killer, ne m'oblige pas à te supplier. Tu dois comprendre que... Impossible! Je sais ce que tu ressens pour elle, mais nous parlons d'un officier. Si tu refuses de nous aider, c'est toute la rébellion qui sera menacée. Je suis désolé. Je ne peux pas. Général, vous m'entendez? Oui. Nous les avons poussés. Enfin, je crois. Kota, écoutez! Il y en a des milliers. Ils clonent toute une armée. Je ressens leur présence. Ils sont comme moi. La force est puissante en eux. De quoi est-ce que tu parles? Il a cloné une armée. C'est impossible! C'est... Nous arrivons. Réponds, tu m'entends? Quelqu'un me reçoit! Général, vous m'entendez? Oui. Nous les avons poussés. Enfin, je crois. Kota, écoutez! Il y en a des milliers. Ils clonent toute une armée. Je ressens leur présence. Ils sont comme moi. La force est puissante en eux. De quoi est-ce que tu parles? Il a cloné une armée. C'est impossible! C'est... Nous arrivons. Qu'est-ce qu'ils comptent faire avec eux? Quoi qu'ils fassent, nous l'en empêcherons. Je me demande s'il est quelque part, ici. Qui? Le vrai Starkiller. Nous ne savons pas ce que tu as vraiment devant toi. Je
te l'ai dit, personne ne peut cloner un Jedi. Oui, je l'espère. Tu ne vas pas nous laisser ici ? Je ne peux plus attendre, Général. Écoute-moi, seul, tu n'y arriveras pas. Et nous avons besoin de ton aide pour prendre... Ensemble, nous vaincrons. Le temps presse. Désolé, vous savez que je n'ai pas le choix. Ne va pas y aller seul. Le Seigneur Noir t'attend. Elle n'est pas loin, Général. Je dois continuer. Starkiller, ton signal faiblit. Arrête-toi! Cette discussion est terminée. Je dois le faire. Juno! Juno! Où est-elle? Ce sont les souvenirs d'un disparu. Vador ! Montrez-vous ! Juno ! Juno, c'est moi ! Tu es un monstre, une vilaine bête. Juno, je t'en prie ! Tu es la marionnette de Vador. Un simple corps chargé des souvenirs d'un homme qui n'est plus. Parlez-moi! Qu'est-ce que vous lui avez fait? Pourquoi l'avoir enlevé? Tu apprendras à haïr ce qu'il a aimé. Venez m'affronter, espèce de lâche! Juno! Je savais que tu finirais par me revenir, ce n'était qu'une question de temps. Tu vas faire selon ma volonté, ou tu mourras ici, à l'endroit même où tu as été créé. Pour m'affronter seul. Vous devrez m'achever cette fois! Starkiller n'a pas réussi à me tuer. Tu n'as aucune chance. Je vous ai déjà défié, et je recommencerai! Tuez-le.
Je peux te détruire aussi souvent que je le veux. Je veux vous servir, Seigneur Vador. Tu te prosterneras devant moi. Bien, éliminez-le. T'es plus puissant que vous. Mais tu n'as jamais réussi à me vaincre. Tu veux te comporter en Jedi? Alors soit. Tu es un homme mort. Vous mentez! La haine est ton allié. Éliminez-le. Canalise ta haine. Détruis-moi. Tuez-le. Ah!
une expérience. Bien, éliminez-le. J'aurais dû rester ici. Juno. Prosterne-toi devant moi, ou elle mourra. Non, non! Je ferai ce que vous voulez. Laisse-la partir. Tu vas trouver le général Kota et l'éliminer. Si tu refuses, elle mourra. Tu vas me rejoindre et tu vas t'abandonner au côté obscur. Si tu résistes, elle mourra. Et quand ta formation sera achevée, tu traqueras les chefs rebelles et tu les exécuteras. Si tu résistes, elle mourra. Non. Fais pas partie de ton destin. Je vous tuerai! Passe à autre chose. Elle est insignifiante. Sa mort te rend plus puissant. Saisis ta chance. Je vais en finir maintenant! Tu peux rejoindre la fille? Très bien. Tu n'as pas envie de savoir d'où tu viens vraiment. Insignifiante. Elle aimait un homme qui n'est plus de ce monde. Elle ne t'aurait jamais aimé, toi. Je vais vous tuer! Thank you.
avez pris tout ce qui comptait pour... Tes sentiments pour elle sont illusoires. Ils sont bien réels pour moi! Attends! Vous voulez le voir mort tout comme moi? Oui, mais pas tout de suite! Pas avant qu'il nous ait parlé de l'Empire et de ses secrets! Vous voulez le garder prisonnier? Oui, dans une base secrète rebelle où nous pourrons enfin l'interroger. Ensuite, nous le condamnerons pour ses crimes envers la vraie République. Et alors, nous pourrons l'exécuter. Ainsi, nous montrerons à toute la galaxie qu'elle n'a plus rien à craindre de lui. Si je le laisse vivre, il me hantera à jamais. Il est le seul à pouvoir nous dire si Starkiller a survécu ou s'il est mort. Il ne doit pas emporter son secret avec lui. Trouvez un moyen de l'enfermer. Oui, Général. Je ne peux pas la ranimer. Je suis désolé. Ce n'est pas ta faute. J'aurais dû rester ici. Nous sommes en vie. Envoyons une dizaine de transports dans toutes les directions. S'ils apprennent sa capture, ils ne sauront pas quel vaisseau suivre. Excellent. Et les mesures de sécurité? Nous avons tout prévu, Votre Altesse. Nous vous recontacterons une fois que Vador sera emprisonné sur Dantooine. Bien. C'est un moment crucial pour l'Alliance. Vous pouvez être fier. Que la Force soit avec vous. Je vais vous laisser en vie. Vous dites que je suis un clone. Et pourtant, je vous épargne. Kota a sûrement raison. Tout cela n'est qu'un piège. Vous cherchez à me perturber pour que j'oublie qui je suis et que je devienne une nouvelle fois votre esclave. Je vous laisse vivre. Vous n'avez plus aucune emprise sur moi. Tant qu'elle sera en vie, tu ne pourras t'affranchir de ma domination.
passage en vitesse lumière.